Salut à tous, bienvenue dans ce point de vue en Nouvelle-Aquitaine un peu spécial. On part à l'aventure aujourd'hui à bord du Reine de la Mer. On va pêcher la coquille Saint-Jacques au large de La Rochelle dans le Pertuis breton. Et on est sur le bateau de Doudou. Doudou, c'est Romuald Coutenceau et c'est le propriétaire de ce bateau. Le Pertuis breton est un détroit situé entre la côte nord-est de l'île de Ré et le continent. Il donne au nord-ouest sur l'océan Atlantique, au large des Sables d'Olonne, et se termine par la baie de l'Aiguillon au nord et par le pont de l'île de Ré vers le sud. On ne pêche pas que la coquille Saint-Jacques dans le Pertuis breton. C'est aussi un haut lieu de la conchyliculture. L'élevage de moules de bouchot est fortement présent sur les deux côtes bordant le Pertuis. Salut Doudou. Salut. Merci beaucoup de nous accueillir sur le Reine de la Mer. Alors tu as un autre bateau. C'est ça, le Nostres, ouais. Deux bateaux de moins de 11 mètres. De 11 mètres et vous partez à la coquille Saint-Jacques. Aujourd'hui c'est coquille Saint-Jacques, ouais. Ça fait depuis quoi? Ça c'est ouvert en octobre? Non, début novembre on a ouvert. C'est une pêche très réglementée. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, nous donner quelques explications? On a deux jours de... Au novembre, on a deux jours de coquille par semaine et un jour de pétanque. C'est le mardi, c'est dans le Pertuis d'Antioche. On a 5 heures, de 10h à 15h. Les pétons, c'est le mercredi, c'est de 10h à 11h30. Après, on a 1h30 de tri. Et après, le jeudi, c'est le plus gros gisement, c'est dans le Pertuis breton et c'est de 10h30 midi et demi. Comme chaque année durant l'automne, l'armada est de sortie. Les flottilles de petits navires côtiers de moins de 12 mètres mettent leurs dragues à l'eau pour pêcher les coquilles Saint-Jacques et les pétons. Alors c'est assez impressionnant le départ, il y a plusieurs bateaux, dizaines de bateaux qui partent ensemble. C'est une vraie armada quoi. C'est ça, c'est le top départ. On embauche à 10h30 donc tout le monde part à peu près à la même heure parce qu'on va quasiment tous sur les mêmes lieux de pêche. On part tous en même temps, donc ça fait impression. C'est des potes ou la concurrence est rude, comme dans certains coins, je pense à la Normandie ou... Oh, c'est pas de la concurrence, non, on n'a pas de concurrence, on est collègues de travail, quoi. Voilà, on se tire pas dans les pattes. Quoi. Alors il y en a pour tout le monde, hein, puisque en fait le truc c'est de prendre que les grandes coquilles Saint-Jacques, c'est ça. Et de laisser les petites qui vont pouvoir grandir au fur et à mesure des années. C'est ça, c'est pour ça qu'on a mis des anneaux de 96 mm de manière à ce que les plus de petites possibles passent à travers. . 21 jours de pêche au total pour la Saint-Jacques, 9 pour les pétoncles, un nombre de jours limité pour éviter la surpêche. Chaque année, une campagne d'évaluation est menée en amont pour évaluer les stocks. Alors tu vas nous expliquer comment ça marche, mais on utilise une drague pour pêcher la coquille Saint-Jacques. Alors on a deux dragues de 2 mètres, ou alors on peut mettre une seule mais n'excédant pas 4 mètres, avec des dents de 8 cm de long, espacées tous les 9 cm ou 10 cm. C'est très réglementé, avec un poids de drague de 200 kg. Donc ça ne ramasse que les grandes, que celles qui font... Beaucoup, les trois quarts des grandes. Il y a un peu de petites dedans, mais après comme on mesure, on rejette à l'eau les petites qui ne font pas la taille pour les débaucher. C'est une pêche technique, physique? Technique, physique, ouais. Et c'est un peu de tout, ouais. C'est pointilleux, c'est assez pointilleux. Ouais. Et vous pouvez ramener un certain poids en fait au port, c'est non, ça? Non, on n'a pas de... Alors, ça c'est en Normandie. En Normandie, ouais. Nous, chez nous, on est limité en temps, mais pas en quantité. Alors on en reparlera tout à l'heure, malheureusement il y a la crise sanitaire.
C'est une grosse partie de votre chiffre d'affaires, la coquille Saint-Jacques, tous les ans? C'est une bonne partie de notre chiffre d'affaires. On va dire que ça fait... bon, c'est moins que ce qu'on a connu, mais maintenant, ça fait quasiment un quart de notre chiffre d'affaires. Qu'avant, c'était un bon tiers du chiffre d'affaires. Doudou, les aléas du métier. C'est ça, ça arrive. Une demi-heure de panne. Une courroie qui a sauté. Donc on a perdu un quart de la pêche. Alors il y a toute une organisation, c'est bien rodé, hein, parce que là il y a eu la panne direct. Alors je sais plus comment il s'appelle. Stéphane. Stéphane part direct dans la cale. Qu'est-ce qu'il a fait alors? Il a démonté le cache courroie et puis je lui ai passé la courroie, il a changé et puis on a perdu une demi-heure. Donc une demi-heure sur deux heures. Il reste plus qu'une heure et demie, un quart de la pêche en moins. Quart de la pêche en hein. Donc je sais pas ce qu'on a pêché exactement dans les 500, donc du coup. C'est un travail d'équipe, chacun a son rôle très défini. C'est ça, c'est ça. On se parle pas, on n'a pas besoin de se parler, on sait que chacun sait ce qu'il a à faire. C'est pour ça qu'on essaye de garder le même équipage tous les ans quand ça va bien pour le déroulement. Bon déroulement. C'est quoi les différents rôles, tu peux nous expliquer? Tu vois, Stéphane, lui, il est au treuil pour filer, pour mettre les dragues à l'eau. Après, Franck et Pascal, ils sont derrière pour les chavirer. Et puis moi, pour régler le moteur, la pluie, la vitesse et tout. Puis après, pour virer les dragues. Pote au bout d'un moment Oh, oui, c'est plus... C'est pas patron bris, hein, c'est une équipe, voilà quoi. Tu peux nous raconter un peu ton parcours? Comment tu as commencé à faire ce métier? Moi, toute ma famille est là-dedans. Que ce soit grand-père, arrière-grand-père, oncle, cousin, on était tous là-dedans. Donc moi, j'ai commencé avec mon père. J'ai 46 balais, j'ai commencé à 17 ans. Je leur mère depuis tout petit et j'ai acheté mon premier bateau à 19 ans et puis je suis patron depuis l'âge de 19 ans. Donc voilà, là c'est mon troisième bateau et je vais peut-être en acheter un quatrième. C'est un métier qui te plaît? C'est une passion. C'est un métier, t'as vu les aléas du temps, si tu ne l'aimes pas, tu le fais pas. Si tu vas pas, tu vas par plaisir, hein, t'as pas, c'est pas... Si on te force à le faire, tu le fais pas. Tu tiens pas, c'est impossible. Alors la coquille, on l'a vu, c'est une pêche particulière, c'est un produit particulier aussi, c'est quelque chose que t'aimes bien toi personnellement? Ah ouais, j'aime bien, ouais. Puis à travailler c'est un bon métier, puis c'est... Il y a l'adrénaline quoi, il n'y a pas à chier, hein. Quand tu travailles que deux heures, que t'as vu le paquet de bateaux qui est autour à travailler, c'est faut faire attention, faut surveiller, faut voir s'il y en a qui travaillent dans un coin, les autres vont les rejoindre ou pas, c'est...
faut être aux aguets de tout, quoi. À l'écoute de tout ce qui se passe, de, voilà. C'est... Ouais, c'est ça, il y a des micros un peu partout, des écrans un peu partout. C'est ça. C'est quoi, tu vois les gisements directement là, sur non, un mais écran. Après, sur nos ordinateurs, on a nos anciennes traces des autres années et tout, et ça se cantonne toujours au même endroit quasiment, hein, par rapport au fond, selon le fond, comment qu'il est. Ça se trouve là, quoi. Donc ça, en gros, les traits de couleur, c'est ce que tu as fait l'an dernier, l'année d'avant encore. C'est ça, depuis des années, il y a 20 ans de carrière aux coquilles là-dessus, quoi. Ah oui, d'accord, faut pas le perdre, quoi. Bon, après, tu peux le perdre, mais c'est moins facile à... Mais c'est dans la tête, quand même. La nature des fonds, quand tu arrives à connaître un endroit par cœur, tu connais la nature des fonds, tu sais où se situent les coquilles. C'est comme ça qu'ils faisaient avant, de toute façon. C'est ça, avant, il n'y avait pas tout ça, et puis ils pêchaient déjà de la coquille, hein. Ça a toujours été. C'est quoi ton premier souvenir, toi, de pêche avec ton père, peut-être, ou ton grand-père ? Oh, j'ai plein de souvenirs, hein. C'est... Tout le métier est un souvenir, hein. C'est, quand t'aimes ça, je te dis, c'est pas spécialement... mais tout est des bons souvenirs. Après, tu te souviens pas des pannes, tu... Voilà, des trucs comme ça, t'évites de t'en souvenir. Voilà. On va parler des choses qui fâchent, Doudou. Il y a la crise sanitaire en ce moment. Ouais. Et finalement, vous vous en sortez plutôt bien sur ce deuxième confinement. Deuxième confinement, ouais. Pour la coquille, ça, je vais dire que ça nous... Je trouve, pour moi, personnellement, je trouve pas que ça nous impacte parce que on en arrive à vendre toutes nos coquilles. Il n'y a pas de baisse du marché. Par rapport aux autres années, je trouve que c'est même supérieur aux autres années en vente. Ouais. D'accord. C'est quoi, les gens restent chez eux, ouais, les gens vont pas au restaurant, donc ils cuisinent plus. Est-ce qu'ils veulent en avoir pour les fêtes? Je sais pas. Mais pour nous, on sent qu'il y a plus de ventes. Ouais. Et à un prix correct. Au même prix que les autres années. Nous, on vend tout le temps au même prix. C'est entre quoi et quoi? Nous, on vend 5 euros le kilo. 5 euros le kilo. Ouais. Elles sont bonnes, les coquilles d'ici? C'est les meilleures. Chacun, après, je pense à paroisse, mais voilà, nous, on dit que c'est les meilleurs chez nous. Après, voilà, en Bretagne, ils vont dire que c'est les meilleurs, en Normandie, pareil, mais chacun. Elle a quoi comme caractéristique, cette coquille Saint-Jacques? Elle est plus sucrée. Alors, elle a un goût de noisette. Forcément. Non, mais par rapport au fond et tout, c'est les fonds. Et une coquille qui tu vas pêcher à 1 km près, elle aura pas le même goût que. Voilà, ça change, la nature des fonds change selon ce qu'elle mange. Pecten maximus, la coquille Saint-Jacques, un mollusque bivalve de la famille des Pectinidés. Parmi toutes les espèces de cette famille, c'est la plus recherchée des gastronomes. Elle est reconnaissable à sa grande taille et à sa coquille pourvue de côtes en éventail. La coquille Saint-Jacques peut vivre une vingtaine d'années. À sa taille commerciale, elle pèse 190 grammes, dont 120 grammes pour la coquille. La Saint-Jacques peut se déplacer relativement vite sur de courtes distances, par bond, en claquant ses valves et en expulsant rapidement l'eau. Elle n'est pas assez rapide cependant pour éviter les dragues de la reine de la mer. Alors toi, tu as plusieurs casquettes. Ouais. Est-ce que tu peux... c'est un peu compliqué, vous allez voir. Doudou, il a plusieurs casquettes. Je suis vice-président du comité régional du CDPM, ouais. Président de la commission Corot. Qui englobe entre les deux îles, les deux Pertuis, pour les coquillages. Je suis administrateur au Fonds Sud-Ouest et je suis vice-président de la coopérative maritime de La Rochelle. Pourquoi ? Tant de... Parce que j'aime bien être au courant de tout ce qui se passe et puis c'est bien s'informer, de faire partie de pas mal de choses. Alors ça consiste en quoi comme mission ? Bah, d'avoir pas mal de réunions. C'est ouais. Pas tout le temps évident de pouvoir aller en mer et faire les réunions. Les horaires, nous, c'est pas... Aux coquilles, encore, on débauche pas trop tard, donc ça ouais. Va. Mais après, quand on est au poisson, quand tu embauches à 3 heures, tu débauches à 16 ou 17 heures. Les réunions, souvent, elles sont en fin de matinée ou alors en début d'après-midi, c'est pas évident. Ouais. Donc on fait avec. On essaye de s'arranger pour faire avec. Comme là, normalement, c'est tantôt, on a la réunion là, à 15h30, tu vois, donc il faut pas traîner. Le temps de vendre et tout en arrivant, il va pas falloir qu'on traîne. Là, votre objectif sur ces réunions, c'est quoi? Bah, c'est essayer de gérer au plus possible le mieux notre pêcherie. Après, il y a plein de... Il y a les parcs éoliens, sur tout ce qui nous touche. Il y a des projets de parcs éoliens ici? Ouais,
large de l'île d'Oléron, ouais, ils en parlent. Donc il y a plein de réunions, il y a le parc marin, il y a plein de... Vous êtes évidemment contre ? Bah, si on nous supprime du terrain pour travailler, c'est pas le mieux, surtout que on gagne rien hein, dans l'autre sens. Ouais. Donc voilà. Les gisements, ils sont protégés. Comment ça se passe ? Est-ce que n'importe qui peut venir pêcher ici ? Non, il y a un nombre de licences attribuées. Et voilà, après, il y a les heures, et après, tous les ans, on sème des petites coquilles. On sème à peu près, je crois que c'est entre 800 000 et 1,2 million de petites coquilles qui sont grosses, qui font 3-4 cm. Donc, on paye quand on paye notre licence coquille, on paye une partie du ensemencement dedans. C'est quoi les grosses différences avec l'époque de ton père, de ton grand-père, outre le niveau technique ? C'est peut-être cette préservation un peu de l'environnement et du nombre de coquilles Saint-Jacques ? Le côté pratique, c'est que nous, c'est la seule pêcherie qu'on gère, si tu veux. Bon, c'est nous qu'on se réglemente en temps, en pêche et tout. Donc, plus les petites qu'on sème, on arrive à garder un peu, parce que c'est une bonne poire pour la soif, on va dire. Il y a eu des périodes critiques a trop pêché. Il y a eu des années où on a beaucoup pêché, on avait diminué le temps de travail, comme là tout, on a 2 heures, on avait passé à 1h30, après on a diminué en temps. Dans l'autre pertuis, on avait descendu, au lieu de 6 heures, on avait descendu à 4 heures, après il y avait moins de pêche, on a remis 1 heure de plus. D'année en année, on fait des prospections tous les ans avant la campagne pour savoir comment qu'on va s'autogérer pour dire il y a de la biomasse. On va faire une demi-heure de plus ou voilà quoi. Bon là on va bientôt arriver au port. C'est quoi la suite de la journée pour toi ? Là c'est livraison et après réunion. Voilà. La fameuse réunion. Voilà. Et la livraison, donc vous livrez où ? Je livre des poissonniers oui, et puis des particuliers qui viennent au port chercher. Donc, ils viennent directement au port. Ouais, c'est ça. T'es 2x5 toi. Ouais. Fais gaffe, t'as pas.
Alors Doudou, pas de crier ? Non. Toi, tu... pas assez cher en crier. Donc tu vends comment ? Au particulier. Combien vous en voulez ? C'était combien ? C'est quoi, c'est du bouche à oreille, comment tu t'y prends ? C'est ça. Tous les ans. Salut Buzz, ça va et toi ? Ok, contre 5. Oui, j'ai du prochain. Combien pas de restaurateur non plus. Hein. 75. Ok Buzz, je te remercie. Toi aussi. C'était combien ? Eh bien voilà, c'est la fin de cette partie de pêche. Doudou va bientôt repartir en bateau. Il a 3 sessions de pêche cette semaine. Et tout cela, ça va durer pour la coquille Saint-Jacques jusqu'entre Noël et le jour de l'an. Et nous voici de retour sur la terre ferme après cette belle journée sur le Rennes de la mer avec Doudou et son équipage. Et évidemment, on n'est pas rentré, on n'est pas revenu les mains vides. Voilà ce qu'on a ramené, des belles coquilles Saint-Jacques, des belles noix de Saint-Jacques. On en a acheté tout à l'heure 2 kilos à Doudou. On va juste les snacker, hein. On va faire ça simple. On va prendre ici une noix de beurre. Ah, ça c'est un produit qui sort de la mer, quoi. C'est d'une fraîcheur incroyable. Petit filet d'huile d'olive. Voilà, pas trop. Du sel au safran qu'on avait ramené d'un autre tournage. On ramène toujours des trésors hein, d'un peu partout. Un petit peu d'ail semoule. Et on remercie encore Doudou et son équipage pour cette belle aventure. Bon, on a eu un peu froid, il faisait un peu humide. Mais bon, c'est ça la pêche. Hein. Donc on va juste les laisser revenir dans la poêle. On va les snacker donc une minute trente environ. Il faut que ce soit doré de chaque côté. Et au milieu, il faut que ça reste translucide. C'est ce que nous a dit Doudou, hein. On n'invente rien. On va vraiment le faire comme lui nous l'a dit. Alors voilà ce que ça donne pour l'instant. Voilà, on les laisse bien revenir dans le beurre. La recette maison, c'est de rajouter un petit peu de curry. Voilà, comme ça, on saupoudre un peu. La petite touche originale. Ça commence à prendre une belle couleur. C'est toujours un plaisir de travailler des produits frais comme ça qui ont été pêchés le jour même. Surtout quand on a participé, c'est encore plus sympa. C'est vrai que Doudou et son équipage nous ont vraiment réservé un super accueil. Tout s'est bien passé, on avait pris nos petits médicaments avant de partir et personne n'a été malade. Donc on rentre avec un bel appétit à quelques jours de Noël. C'est vraiment un plaisir. Voilà, elles sont bien dorées. Voilà, je vais vous les montrer comme ça. Là, elles sont parfaitement dorées de ce côté-là. Donc on les change de côté. Hop. On les retourne. Voilà, vous voyez la belle teinte. Après, il y a le curry aussi qui vient apporter un peu sa couleur. Ça va être délicieux avec un petit verre de vin blanc. On va se régaler. Alors là, elles sont bientôt prêtes. C'est à peu près doré, pareil, des deux côtés. Et donc, chose très importante, c'est un petit peu translucide. Au milieu encore, et on va pouvoir les servir et les déguster.